balle avant. Ça va marcher bien. Ouais. Non, je l'appelle pas, je vais laisser un mec. Il faut un passage pour moi de toute manière. Et Jaco, tu nous fais un striptease ? Il n'a pas vu, il regarde, il s'est échappé. Arrête. Daniel ! Allez, non, allez, Daniel. Alors, regarde. C'est toi qui a remporté le tour. Bon, mais oui, c'est pas le vélo qui compte. Encore un peu. Tu vas un peu comme ça. Tu risques pas de le mouiller, toi. Quel bon réflexe. Qui c'est qui lève le plus fort? Il veut impressionner les marionnettes. Regarde, il y a longtemps qu'il m'a impressionné. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, ben, et après, le bar, t'as vu comment il a réglé les trucs? Ouais, bah il serait une belle merde maintenant. C'est normal, c'est qu'il fait. Allez, enlève-le maintenant. Les gars, pourquoi tu l'as mis là, hein? Il tire au gros. C'est bien dur. On les retrouve toujours à la même place, hein. Eh, il y a cette place, hein. La critique, mais le soir, ils sont pas fatigués, hein. Et puis, ils dorment tranquille, hein. Il n'y a pas la fatigue, il y a la nuit de la journée. Ben, on ne peut pas voir. Tu le suis mieux, hein. C'est qui, alors? Tu sais comment on l'appelle maintenant? Tintin, lui. Ah oui, ça, non, mais je peux le dire, c'est vraiment la purge junior. Allez, prise, quoi. La purge junior, c'est ça. Hein? Elle est arrêtée, alors? Elle n'avait jamais la télé, elle a fait de l'huile. Mais il y a combien de kilomètres? Daniel, ça fait 8 jours qu'il est là. Il n'y a pas de pellicule dedans? Non, apparemment. Non, mais ça m'inquiète parce que c'est Krifa. Pardon, alors. Allez, viens. Allez, gamin. Oui, bon, le gamin. C'est pour FR quoi, FR2, FR3. Jaco, Jaco, à la caméra là. Voilà. Hey, on va manger. Travaillez pas beaucoup, mais c'est incroyable que vous nous continuez. C'est vrai que tu peux travailler, tu peux aller pour manger. Après, il y a
C'est un retraité, il travaille jamais, mais par contre. Viens, je te fais une bise. Viens, je te fais une bise. Ah, vas-y. T'as mis du tiro là ou pas, non ? Hein ? T'as mis du tiro, non ? Ah, bah oui. Là, je vais faire le brin tout à l'heure, comme ça, il va être sec. Il va être tiré, puis je vais faire mon brin. Là, c'est mon truc. C'est bon, là, je tombe pas, hein ? Regarde, je passe. Je ne sais pas ce qu'il y a de ça. Tu veux que tu veux contre camp, majorité contre minorité, mouvement
gouvernement majoritaire contre opposition. Nous sommes, et nous voulons rester, entre militants qui débattons, discutons, critiquons, choisissons, des fois la majorité, et continuons le combat ensemble. J'en viens au problème de fond, comme si ce que je viens de dire n'était pas déjà dit. Ce qui se passe en URSS et dans les pays de l'Est a une portée historique qui bouleverse tous les communistes, parce que c'est le terrible échec, peut-être prévisible, n'empêche que ça va au bout, d'une conception, nous ne sommes pas aveugles, sur la confiance dans la possibilité de changer la société. Confiance déjà bien atteinte. Le coup de force d'une minorité de gens, j'ai envie de dire absurde, dangereux et minable, puisque c'était le combat, a tout aggravé, tout accéléré, et donné une force formidable aux forces qui veulent en revenir au capitalisme et désintégrer l'Union soviétique. Comme l'a dit Georges Marchais dans son discours de clôture, que tout le monde a lu, je crois, avec intérêt, on n'appréciera jamais assez le mal fait au communisme par le stalinisme et ce qui en est suivi, le préjudice. Jamais on ne prendra assez conscience du tort que ça a dans le monde socialiste, les réformes qu'il fallait faire. Naturellement, si au peuple soviétique, certains membres du comité central ont dit « C'est le mouvement du peuple russe pour la liberté et la démocratie. » C'est pas que ça. Évidemment que les Russes, les Soviétiques, qui se sont défendus contre le coup de droite, d'extrême droite, de retour au capitalisme, non pas des communistes, mais d'Eltsine et des forces qui tirent en arrière. Et nous, le Parti communiste, dans tout ça, en quoi sommes-nous concernés? Ben, nous sommes d'abord concernés parce que c'est notre cause. C'est au nom du communisme et des idéaux de transformation que tout ça s'est passé. Le Parti communiste français est né en 1920 de la grande tradition française, mais aussi de l'espoir né de la révolution d'octobre, de la révolution russe, de l'appel de Lénine. Nous avons été aux côtés de ces peuples et des communistes russes pour faire la révolution, pour lutter contre la guerre, pour faire face à pour la paix. Nous ne l'oublions pas. Mais cet échec, donc, ne nous fait pas renoncer au socialisme, car le capitalisme continue. Et cet écroulement d'un parti communiste qui n'avait plus rien de communiste ne condamne pas le Parti communiste français. Et en ce sens, oui, nous n'avons rien à voir avec ce qu'était devenu le Parti communiste de l'URSS. Le fait qu'actuellement, c'est un grand malheur, mais c'est un fait, on ne voit pas s'exprimer en Union soviétique, dans la Russie actuelle, de forces communistes, progressistes, cet énorme écroulement veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y avait plus, depuis un moment, de Parti communiste, de militants, de gens proches du peuple, de gens pas pourris par les privilèges, par le carriérisme ou par le manque de conviction. Ne recevions pas l'avancée en France sous la forme de la copie d'un modèle. Nous avons rejeté les conceptions staliniennes. Nous avons défini tous ici, on s'en rappelle quand même, de ces 15 ans, au moins pour les gens qui étaient communistes, et ils l'ont dit aux autres, pendant lesquels nous avons conçu petit à petit une autre conception du socialisme et une autre conception du Parti communiste. Nous avons notre propre histoire, nous avons nos propres sources, nous avons derrière nous 89, 93, les grandes révolutions de Paris, la Commune, la grande tradition culturelle des philosophes, des écrivains du siècle dernier. Certes, ce qui arrive nous concerne, mais nous ne disparaîtrons pas avec, pour toutes les raisons dont je viens de parler. Et maintenant, que faire? Personne. Évidemment que si nous n'avions pas fait tout ce qu'on a fait depuis 15 ans pour se couper du modèle du stalinisme et éveiller, je dirais, notre conscience politique sur les problèmes de notre époque, on serait complètement sous la table en ce moment.
qui, depuis 10, 15, 20 ans, continue de répéter des choses dépassées. Si j'étais communiste dans ce pays, je serais profondément malheureux. Mais nous avons donc travaillé, mais il reste à faire. Il reste à continuer l'effort créateur pour répondre à des questions très compliquées. Quel est le monde d'aujourd'hui après ce qui s'est passé dans les pays de l'Est? Quelles sont les raisons de cet échec? Quelle perspective en France pour avancer vers une démocratie nouvelle et le socialisme? Quelle stratégie de lutte avec des choses à approfondir, y compris les questions posées avec force par les camarades de la section économique qui font partie des questions auxquelles il faut réfléchir? Et quel parti communiste? Donc réfléchir. Et puis il n'y a pas que nous qui avons à réfléchir. Parce que leur politique ramène la droite au pouvoir, que c'est un désastre. Et qu'ils auraient tort, comme nous leur avons dit, de rigoler en se disant « Notre heure arrive, le PC va mourir, nous sommes maintenant les seuls à représenter la gauche. » C'est ridicule. Parce que ce qui monte devant l'échec de l'URSS, ça n'est pas que les problèmes du PC, c'est les problèmes de toute la gauche. C'est les problèmes de tous ceux qui se réclament, ne serait-ce que de l'idée socialiste. D'ailleurs, certains dirigeants socialistes en prennent conscience. La droite ne fera pas de cadeau. Certes, c'est nous qu'elle a eu le plus, mais ce qu'elle veut, c'est balayer toute idée de progrès. Et nous, nous restons disponibles. Y compris pour un grand débat d'idées, où nous dirons ce que nous avons à dire au PS, c'est-à-dire cette politique. Tue la gauche, décourage le peuple, elle fait le lit de la droite. Mais c'est entre tous les gens de progrès qu'il faut réfléchir sur la manière de relancer en France le combat pour les transformations sociales. Réfléchir, et pas que nous, et agir. Écoutez, j'ai vu des camarades qui ont pris le boulot. Je crois que c'est bas salaire, la réplique à tous les problèmes posés à la santé, à l'école. Il y a besoin de lutter. J'ajoute que nous ne devons pas mésestimer le fait que tous les dirigeants syndicaux, en plus de la CGT, chez qui ça va de soi, les gens de FO, de la CFTC, des travailleurs, et l'inquiétude pour le pays, ce qui nous attendait, d'organiser en France une grande campagne de dialogue entre notre parti et les gens, et les communistes, avec l'idée de faire de grands débats. Vous vous rendez bien compte qu'après tout ce qui se passe, c'est encore plus important. Le comité central a donc décidé, on se réunira que là-dessus, de faire en octobre, novembre, décembre, à côté de l'action, une grande campagne où les communistes iront de front, et pas avec des discours interminables, le mien va s'achever, il ne sera pas, avec des discours brefs et un débat avec les gens sur tout ce qu'ils ont envie de nous demander, sur ce qui s'est passé, sur la situation du pays et sur l'avenir. Débat. De proche de moi, mais tout à l'heure, maintenant, 10 jours avant la fête, tout est monté. Et c'est vrai que la fête, c'est un truc très important. Je ne suis plus un jeune homme, mais samedi, dimanche prochain, par leur présence, les communistes, leurs amis, montrent, non pas que le PC n'est pas mort, tout le monde le sait, mais à quel point le PC est vivant, fort, pas fort de certitude à l'ancienne, comme j'en ai eu... Quand j'étais un jeune homme fort d'intelligence, de réflexion, des communistes d'aujourd'hui. Donc, ça, ça compte. Or, vous tous, c'est vous que ça dépend. Et donc, il faut cette semaine faire un immense effort pour parler à tous les communistes, leur faire payer leur vignette, vendre la vignette au métro, être la force qui donne le dernier élan, si j'ose dire, pour la réussite de la fête de l'Ouest. À cet égard, je tiens à dire une chose que vous avez sentie sans doute. Je l'ai sentie moi aussi. J'ai des échos extérieurs. Quand les gens voient les communistes en ce moment vendre la vignette, au métro, dans leur boîte, autour d'eux, c'est pour eux porteur. D'abord, certains sont interloqués, parce qu'on leur a tellement dit qu'on était au bout du rouleau qu'ils se disent tiens. Et puis, ça fait du bien à ceux qui veulent. Soit là et qu'on continue. C'est très important. Jamais je n'ai tant ressenti le fait que la présence des communistes
est un acte politique, ça va au-delà de la vignette. C'est la vignette, mais c'est porteur d'avenir. Puisque vous avez l'air de ne pas vous ennuyer, je vous raconte une anecdote, mais qui est intéressante. J'étais il y a 8 jours, place de l'Hôtel de Ville, aux cérémonies de la Libération. On est là, les cocos sont là, enfin quelques communistes, les élus, puis les gens de droite, on est tous alignés, il y a Chirac, il y a Roll Tanguy, il y a Tollet, bref. Une discussion de tribune a commencé. Et le député suppléant RPR du 20e, Guastavino, qui est un ennemi, un vrai ennemi, mais qui a oublié d'être bête, on se met à parler à demi-mot du communisme. Je lui ai dit, vous savez, le communisme ne peut pas mourir, au contraire, parce qu'une idée ne disparaît que quand les causes qui l'ont produite disparaissent. Or, le capitalisme est plus vivant que jamais, donc le communisme est plus vivant que jamais. Il m'a dit, je suis d'accord avec vous. On se dit beaucoup de bêtises, mais de vous à moi, je suis d'accord. On ne peut pas vous détruire. Puis on parle d'autre chose, et puis il me dit, vous savez, monsieur Malbert, ce dimanche matin, le dimanche dernier, je me suis promené dans les rues du 20e, j'ai vu vos copains, et je les ai admirés comme jamais. Je me suis dit, tiens, Coco, faut être là en ce moment. Bon, lui, ça ne lui fait pas plaisir de nous voir. Il note le fait. Il y a besoin d'être là, de montrer notre force. Donc, voilà pour la fête. Puis dernière chose, il y a ici des amis, quelques-uns, je crois, qui ne sont pas membres du parti, venus avec leur famille, avec leurs amis, leurs femmes ou leurs maris. Je crois que dans la situation actuelle, qui est compliquée, des gens prennent conscience à quel point le parti, ça compte. Ils prennent conscience parce qu'ils ont quelque part peur que sans le parti, ça serait infiniment plus dur. Et que beaucoup de choses basculeraient. Nous faisons partie du peuple de France. Donc le combat pour renforcer le parti, aujourd'hui si c'est possible, toute la semaine et à la fête, la semaine prochaine, faudra le mener. Je vous remercie, j'ai rarement parlé. Le morceau est parti là, il y a quelqu'un qui a bougé.
Daniel, attends, je reviens.